Eh bien, salut les gars, bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment jouer aux jeux console et PC. Par exemple, les jeux GTA V. On peut citer par exemple GTA V, Red Dead Redemption 2, Call of Duty, etc., etc. Donc, vous pouvez jouer à tous ces jeux qui sont de base conçus pour PC et les consoles PlayStation 4, Xbox, etc. Vous pouvez télécharger cette application, c'est possible. Vous pouvez jouer à tous ces jeux sans bug. Donc, ce qu'il vous faut, c'est cette application et une bonne connexion à Internet. Donc, je vous recommande franchement, je vous recommande la fibre optique car c'est beaucoup plus rapide et vous pouvez jouer sans bug. Donc, comment fonctionne l'application? Donc, l'application, il fonctionne, par exemple, il faudra des coins. Voilà, donc si vous avez des coins, vous pouvez jouer à vos jeux favoris qui sont sur PC ou sur console. Voilà, donc on va directement vous, je vais directement vous montrer comment télécharger. Donc, d'abord, vous pouvez même pas le télécharger sur le Play Store, donc faut pas essayer car ça se trouve pas sur le Play Store. Vous devez venir sur Google Chrome et dans la barre de recherche chez Google, dans la barre de recherche Google Chrome, vous allez taper Chiki comme ça, Chiki APK. Voilà, tapez Chiki APK. De toute façon, je vous mettrai un petit lien dans la description de cette vidéo. Voilà, donc vous tapez Chiki APK. Vous allez prendre ce premier lien là, ce premier site là de Malavia. Vous allez faire télécharger pour Android. Vous allez cliquer dessus. Et donc, on va patienter comme vous pouvez voir. On a Chiki 3.2.1 APK. Vous faites télécharger. Voilà, donc je vais pas perdre du temps. J'ai déjà téléchargé l'application. Donc, on va directement passer à son utilisation. Voilà, donc prenez le temps, donc vous le laissez, il va télécharger Chiki, c'est assez rapide. Voilà, donc moi ça prend un peu de temps. Voilà, j'étais un peu éloigné du wifi, c'est pour cela, donc ça prend un peu de temps. Mais moi j'ai déjà téléchargé. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous aurez quelque chose de ce genre. Il est là, chiki.apk. Vous cliquez dessus, à partir de là, vous allez cliquer sur installer. Voilà, vous cliquez sur installer, et normalement, Chiki devait s'installer. Une fois que ça s'est installé, vous aurez cette application-là. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur l'application comme ça. Voilà. Et normalement, vous, dès que vous l'aurez lancé, vous n'allez pas tomber sur cette même écran que moi. Ils vont vous demander de sélectionner votre compte. Donc, de base, je vous conseille d'utiliser votre compte Google. Une fois que c'est fait, voilà. À part de là, pour jouer à tous ces jeux, comme vous voyez. Donc, à presque tous ces jeux gratuitement. Parce qu'il y en a certains qui sont payants, comme le Mortal Kombat 11 Ultimate. Vous pouvez jouer à Mortal Kombat, etc., GTA, tout ça, vous pouvez jouer gratuitement. Mais quand même, c'est pas trop cher, vous pouvez aussi acheter certains jeux, etc., etc. Donc là, vous allez venir dans Game, juste ici. Et à partir de là, vous pouvez sélectionner vos jeux favoris. Donc vous avez Red Dead Redemption, GTA The Definitive Edition, GTA 5, Stray, Naruto, Jump Force. Donc vous pouvez jouer à tous ces jeux directement dans l'application. Donc, par exemple, on va chercher un jeu. Donc, je vais sélectionner au hasard. Je vais voir pourquoi pas Watch Dog Legend si c'est gratuit. Comme vous pouvez voir, ce jeu-là, on peut le jouer gratuitement. Comment on le sait? Parce qu'il y a le bouton Play qui se trouve juste ici. Par contre, si on prend un autre jeu du genre... il y en a vu. Par exemple, Far Cry 5. Non, Far Cry 5, lui, ça passe. Il y a d'autres jeux qui sont payants. Je pense peut-être que c'est Mortal Kombat. Lui aussi, c'est gratuit. Voilà, eux, ils sont gratuits. Donc là, vous avez même des trailers. Donc il y a des jeux qui sont payants. Voilà, par exemple, celle-ci, Mortal Kombat 11 Ultimate. Voilà, donc là, quand je clique, c'est payant. Il vous donne des détails, mais c'est payant. Donc nous allons essayer de jouer. Donc c'est pour le moment, c'est gratuit. On va essayer de prendre un jeu. Pourquoi pas Watch Dogs Legion. Donc on peut voir, c'est juste dans mon smartphone. Vous allez cliquer sur Play. Et là, vous pouvez jouer avec vos amis ou juste entre vous. Donc, vous allez cliquer sur Play. Et normalement, il y a des publicités. Donc, vous devez fermer cette pub juste ici, en haut, à droite de l'écran. Voilà. Et là, vous devez patienter. C'est ça. Bon, donc, seul défaut de l'application, je trouve, c'est ça. Donc, il faudra, comme vous pouvez voir, ils vous ont déjà proposé des formules comme... Soit vous devez patienter pendant plus de 60 minutes ou moins d'une minute. Donc là, il faudra un compte VIP ou si vous avez des gemmes.
Donc, pour ce jeu, donc je vais sélectionner un autre jeu. Peut-être que les temps d'attente seront réduits. Voilà, donc je vais chercher d'autres jeux. Pourquoi pas. Donc là, je suis dans Game. Bon, je pense que je vais chercher. Je vais voir Forza Horizon. Peut-être qu'il n'y aura pas trop de joueurs là-bas. On pourra jouer sans problème, peut-être. Ouais. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est bien. Forza Horizon, il est bien, le mode online. Donc je vais juste prendre ce mode-là. Pas le mode online, mais le mode simple. Lui aussi, ça me demande 60 minutes. Il y a beaucoup de gens qui jouent en ce moment, je pourrai. Donc on va sélectionner GTA 5. Voilà, donc ça marche avec des coins. Donc le seul défaut de l'application, comme je vous l'ai dit, c'est les publicités. Voilà. Il y a beaucoup de pubs, il y a trop de pubs même. Voilà, donc là, on peut jouer à GTA 5 dans moins d'une minute, comme vous pouvez voir. Donc je vais juste vous montrer celle-ci. Bien évidemment, ça marche avec tous les autres jeux. Donc là, vous allez cliquer sur Enter. Et là, normalement, vous devez tourner votre téléphone. Et là, on peut jouer à GTA 5 facilement. Donc là, je suis bel et bien sur mon smartphone Android. La dernière fois, je vais même jouer avec Red Dead Redemption 2. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut une bonne connexion. Donc là, je peux jouer que 3 minutes, comme vous pouvez voir. Mais vous, ça peut marcher jusqu'à plus de 15 minutes. Donc, il ne faudra que des coins. Voilà. Donc, moi, j'ai seulement 3 coins, je crois. Mais si vous l'installez, vous pouvez jouer à plus de ça. Donc là, on va prendre GTA. Sélectionner le mode histoire. Donc, voilà. Donc, vous pouvez même quitter. Mais moi, je vais pas quitter. Donc, je maîtrise pas trop l'application. Donc je vais quitter pour vous montrer. On va réentrer dans un autre jeu. Donc comme vous pouvez voir, j'ai seulement 3 mètres. Vous aussi pouvez bel et bien jouer au jeu. Voilà. Donc c'est la connexion qui est assez lente. Voilà, c'est la connexion qui était assez lente. Mais maintenant, je pense que ça va. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, l'FPS ça dépend vraiment de votre connexion, les images par seconde. Donc voilà, on va patienter un peu. Voilà, comme vous pouvez voir, le jeu se lance parfaitement. Là, vous devez régler la luminosité. On fait comme ça, je pense que ça va. Donc là, je vais sélectionner le mode histoire. Je fais A. Et là, ça marche. Le mode histoire, ça sent. Donc, c'est un peu lent. C'est à cause de ma connexion et du live que je fais. Mais ça marche. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est bel et bien le jeu. Et en plus de ça, vous pouvez l'avoir en full HD. En plus de ça. Voilà. C'est vraiment super l'application. Donc, n'hésitez pas aussi si vous voulez avoir GTA 5 sur votre PC gratuitement. Donc voilà, le jeu s'est lancé. Donc, moi je vais shifter ça. Je vais passer ça, cette cinématique. Et là, on peut jouer. Donc là, je marche. Je vais essayer de sauter. Je pense que c'est. Non, là, c'est pour frapper. Donc, c'est le B. Pour sauter, je pense que c'est X. Voilà. Je vais faire triangle, on va prendre la voiture là, cette belle voiture. Voilà, donc je vais bien prendre cette voiture et je vais conduire. Comme vous pouvez voir, je joue à GTA 5 sur Android. Et ça marche avec tous les autres. Donc je vais cliquer sur A. Ah bon, je pense. C'est celle-ci. C'est celle-ci. Connexion qui est assez lente, mais dans l'ensemble ça va. Ah, lui il me sort pour frapper. Voilà. Donc, on peut se battre comme ça. Donc c'est pour juste vous montrer que on joue à GTA 5 et à tous les autres jeux qui sont de base conçus pour PC, on peut les jouer sur Android.
comme vous pouvez voir, Franklin Lossama. Donc c'est pour cela que je vous ai dit qu'il faut avoir la fibre, même la DSL peut tourner, mais il faudra une bonne connexion. Moi, du fait que je fais le live en 720p, c'est pour cela. Mais à part ça, on peut jouer à ce jeu. Voilà. Donc moi je vais quitter et on va sélectionner un autre jeu. Donc vous pouvez même passer en online. Voilà. Donc moi j'ai quitté GTA 5. On peut sélectionner d'autres jeux. Donc comme vous pouvez voir, j'ai même épinglé. Je vais faire sortir. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, vous avez vraiment beaucoup de jeux. Si vous voulez rechercher quelques-uns, vous pouvez venir juste ici. Et vous allez venir dans la barre de recherche. Donc pourquoi pas, je vais prendre le Marvel Spider-Man remasteré. Donc là, il y a beaucoup de personnes. Donc là, j'ai pas assez de coins. Donc pour avoir beaucoup de coins, il faut faire recherche to get coins. Et là, vous pouvez payer pour acheter des coins. Voilà, comme vous pouvez voir, vous pouvez payer, acheter des coins. Vous pouvez aussi obtenir des coins gratuitement. Par exemple, pour faire complete mission to get gold coins. Donc de base, chaque jour, ils vont vous offrir des coins. Chaque jour. Voilà, donc aujourd'hui, ils m'ont offert, je pense, entre 5. Ils m'ont offert, je crois, 5 ou 10 coins comme ça. Voilà, my god coin, comme vous pouvez voir, c'est 3 coins. Il me reste que 3 coins, comme vous pouvez voir. Voilà. Watch in the room. Voilà. Donc là, vous devez cliquer. Vous regardez. Donc il faut accomplir des missions pour obtenir des coins aussi. Par exemple, ici, ils ont du watch in the room for 10 minutes. Donc il faut regarder des vidéos juste ici pendant 10 minutes. Donc par exemple, je vais faire enter. Et là, vous pouvez regarder. Donc c'est comme Twitch, vous pouvez regarder des live gaming. Voilà, donc là, si on regarde pendant 10 minutes. Voilà. Donc là, si on regarde la vidéo pendant 10 minutes, on peut obtenir 2 coins de plus, comme vous pouvez voir. Voilà. Et là, c'est des gens qui sont en train de jouer à des jeux sur cette application. Donc, c'est une superbe application que je vous recommande. Franchement, je vous la recommande. Voilà, comme vous pouvez voir, ils jouent à partir de l'application qui s'appelle Chiki, comme je vous l'ai dit. Voilà, comme vous pouvez voir, vous pouvez même faire du chat en direct, comme vous pouvez voir. C'est juste magnifique. Vous pouvez même liker la vidéo. Donc, si vous suivez pendant 10 minutes, normalement, vous devez avoir 2 coins. Et c'est à watch video to get 5 coins. Donc là, il faut regarder des pubs pour obtenir, je pense, 5 coins. Bien évidemment, si ces pubs sont disponibles. Comme là, c'est disponible. Donc, je vais regarder la pub et j'aurai 5 coins de plus. Donc, nous allons voir. Voilà, donc il reste 5 secondes. Et voilà. Donc, moi, je vais mettre mon empreinte digitale. Voilà, donc je fais arrêter comme ça. Et normalement, je devais avoir des coins. Donc, voilà, faut regarder 3 pubs pour avoir 5 coins. Donc voilà, là j'ai obtenu 8 coins. Uniquement en regardant cette pub, j'ai obtenu 8 coins. C'est vraiment, j'ai même pas les mots à dire. C'est vraiment une superbe application, donc il n'y a rien à dire. Comme Cloud Gaming. Donc là aussi, je vais regarder une autre vidéo et je vais obtenir encore 5 coins. À part de là, vous pouvez obtenir plusieurs coins. Voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous pouvez jouer à plein de jeux, vos jeux favoris qui sont sur PC. Fortnite, Free Fire. Excusez-moi, pas Free Fire, parce que Free Fire est disponible sur Android, mais il y a d'autres jeux que vous pouvez jouer. Voilà. Donc, je vais arrêter ça. Donc, là, je vais cliquer sur Watch Ad Video. Normalement, je devais obtenir. Donc, je vais cliquer dessus. Et là, j'obtiens 13 points. 13 coins. Voilà. C'est parfait, je pense que je peux jouer à Marvel Spider-Man. Donc c'est 5 coins par minute. Et là j'ai 13 coins. Donc en gros je peux jouer jusqu'à 2 minutes à Marvel Spider-Man. Vous pouvez faire la même méthode que je vous ai montré pour obtenir plein de coins et jouer à 30 minutes parfois à vos jeux favoris, etc., etc. Voilà, donc là je vais faire play. Voilà, donc là faut patienter 5 minutes. Voilà, donc faut patienter 5 minutes car il y a plein de gens qui sont en train de jouer à Marvel Spider-Man. Donc là il y a plein de gens qui y jouent. Faudra vraiment patienter. Donc on va changer de jeu. Pourquoi pas Naruto Storm. Donc là c'est le live.
Donc faut patienter 4 minutes je pense. Donc lui il joue en Mortal Kombat sur Android. Sur Tiki, voilà. Donc je vais lancer Naruto Ultimate Ninja Storm. Donc là c'est 3 coins par minute. Comme vous pouvez voir juste ici c'est 3 coins par minute. Je fais confirme. Peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de gens là-bas. Voilà, donc dans moins d'une minute, je vais pouvoir jouer à Naruto Ultimate Ninja Storm 4 sur Android gratuitement. Voilà, donc dans moins d'une minute, on va pouvoir jouer à Naruto. On va un peu patienter. Il y a 3 personnes qui sont en train de jouer. Voilà, donc il y a des pubs. Voilà, donc on va patienter juste après. Voilà. Donc également, j'ai oublié de vous dire, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me fera extrêmement plaisir. Donc là, le jeu, on va cliquer sur Enter, on va dès que nous entrer, on va commencer à jouer au jeu. Donc il y a des pubs encore. Voilà. Donc là, on joue à Naruto Ultimate Ninja Storm 4 sur Android. Un jeu qui était conçu pour PC et les consoles. Mais nous, on joue ça sur Android. Donc, je vais monter le son et vous montrer qu'on joue vraiment à ce jeu. Donc, c'est vraiment magnifique. Donc là, il me reste 2 minutes de gameplay. Donc là, je fais A pour pouvoir jouer. Donc, c'est les consoles Xbox. Voilà. Donc il y a le mode histoire, le free battle. Donc là je pense que c'est le Mortal Kombat qui se lance en arrière-plan. Après on va arrêter. Donc là je vais faire vs battle, battle de versus. Oui, on va faire cette ligne. Donc là il vous faut une bonne connexion, comme je vous l'avais dit au début de cette vidéo. Il vous faut au minimum la fibre, hein. Je vais prendre Naruto par exemple. Donc je prends au hasard comme ça pour juste vous montrer. Voilà. On va prendre tous les joueurs adverses. Donc on va sélectionner le stade. Pourquoi pas juste ici. Donc je sélectionne qu'au hasard. Et je vais montrer qu'on joue franchement à ça. Et ça marche super bien. Comme vous pouvez voir. J'ai commencé à jouer, je ne sais même pas comment jouer. Voilà. Donc je monte le son. Voilà. Donc la connexion commence à friser un peu. Donc la planche est en train de bouger un peu. Donc là, je vais appeler. Donc comme vous pouvez voir, voilà. Donc comme vous pouvez voir, il me reste environ moins d'une minute. Il y a 57 secondes qui me restent, donc il me faut encore plus de points pour pouvoir continuer mon game. Mais vous inquiétez pas, après il faut regarder juste des pubs pour obtenir plein de points. Voilà, il faut juste regarder des pubs ou compléter quelques missions comme je vous l'ai montré. Voilà. Donc on va connaître. Donc là je suis en train de me faire tabasser. Voilà, il reste que 7 secondes, 8 secondes, et vous allez voir. Normalement,
Ça devait quitter dans une seconde, moins d'une seconde. Voilà. Normalement, mon temps est terminé. Voilà, donc là, normalement, mon temps est terminé, mais il continue. Peut-être qu'il attend que je termine le game. Voilà, donc on va changer de jeu. Donc là c'est le Mortal Kombat comme je vous l'avais dit. Qui s'est lancé en arrière-plan. Donc je pense qu'il faut faire comme ça. Voilà. Donc j'ai quitté l'application pour de bon. Voilà, donc je vais voir le nombre de coins qui me laisse. Qui me reste. Voilà, donc je vais venir juste ici. Donc vous venez juste ici pour voir, savoir. Donc il me reste 0 coin. Voilà, donc il me reste 0 coin. Donc j'ai aucun coin. Donc vous cliquez dessus. Et là, vous pouvez acheter plein de coins. Voilà. Donc, vous pouvez aussi avoir des coins gratuitement, des fois. Voilà. Donc je pense que c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire. Si vous en voulez d'autres de ce genre aussi, n'hésitez surtout pas à me le dire. Donc c'est la fin de cette vidéo. Nous on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et également si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager au max et à commenter. Ça fait toujours plaisir à lire. Et sur ce, nous vous disons à la prochaine. Ciao.